homme. الحمد لله رب العالمين نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يذيب عنها إلا هالك وصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء الكبار وعلى التابعين لهم بإحسان لهم التناد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان الحديث متفق عليه. Chers frères et sœurs, ce hadith que nous venons de citer a été rapporté par l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son nom c'est Abdullah, le fils de Umar, Umar ibn Khattab, le deuxième calife, donc le Khulafa al-Rashidin, les bien guidés. Il naquit, c'est Abdullah, à la Mecque, 4 ans après l'événement de la révélation, après la révélation, après l'événement de l'islam, 4 ans. Il émigra avec son père de la Mecque à Médine quand il avait l'âge de 10 ans. Il suivait tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on pouvait dire comme son nombre. Il ne l'a jamais quitté. Et il était d'ailleurs la personne qui se conformait au modèle qu'incarnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que n'importe quel autre. Et Aïcha radiallahu anha a témoigné ainsi. Il n'y avait personne qui suivait les actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme Ibn Omar. Ibn Omar, pour te donner un exemple, pouvait vraiment se lever, se promener dans les rues de Médine et essayer de marcher dans l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà passé. Si cet endroit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur une monture, Abdullah ibn Omar va partir là-bas sur sa monture. Si la chemelle a fait 2 tours avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam descende, lui aussi va faire 2 tours. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait 2 inclinations dans tel endroit, il va le faire. Donc il le suivait dans tout. Et il a rapporté beaucoup de messagers d'Allah, à peu près 1630 hadiths. Malgré tout cela, il était très très vigilant, très attentif à ce qu'il rapporte le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On disait qu'il n'y avait personne qui était aussi prudent comme lui. Bukhari disait même que As-Silsilah al-Dhahabiyya de Malik al-Nafi' an Ibn Omar, qui est la chaîne de transmission la plus sûre quand on dit que c'est Nafi' qui est rapporté d'après Malik et d'après Ibn Omar. C'est la transmission, la chaîne de transmission la plus sûre. Qu'est-ce qu'il veut dire ce hadith? Il dit que le messager d'Allah dit que l'islam est bâti sur 5 éléments, 5 piliers. Ce qui veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne l'exemple de l'islam comme une construction dans laquelle le croyant s'abrite, se protège. On voit très bien l'importance de la maison pour nous.
C'est ainsi l'islam, plus que ça. C'est dans l'islam que nous trouvons notre sérénité, comme on le trouve dans nos propres maisons. La tranquillité, comme nous le trouvons dans nos propres maisons. La fraternité, la protection, tout se trouve dans l'islam. Ce qui est étonnant dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit que l'islam est bâti sur 5 piliers, on sait bien que l'islam c'est une mode de vie qui traite l'ensemble de ce qui concerne le croyant. Il traite des systèmes de culte, des droits civils, les lois du mariage, du divorce, code de conduite, qu'est-ce que la personne doit faire, qu'est-ce qu'elle ne doit pas faire, qu'est-ce qu'elle doit manger, qu'est-ce qu'elle doit porter. Si nous rénumérons tout ce que l'islam traite, nous pouvons écrire des tonnes de livres. Dire maintenant que l'islam est bâti seulement sur 5 piliers, ça veut dire vraiment ces 5 piliers sont dotés d'extraordinaires bienfaits qui fait qu'une fois qu'on les préserve, on pourra vraiment préserver l'islam. Cela est étonnant. Mais ce qui est plus étonnant, c'est à propos d'un élément parmi les 5 piliers. Cet élément, c'est Hajj. À cause de son inaccessibilité, c'est pas à la portée de tout le monde. Hajj n'est pas à la portée de tout le monde. Comme on le voit avec Shahadat Allah, ilaha illallah, la profession de foi, il est à la portée de tout quiconque jouit de sa faculté mentale. Il peut vraiment le dire facilement. Donc il est à la portée de tout le monde. On voit aussi Salat, il est à la portée de presque tous les musulmans, toute personne qui est en bonne santé. Et aussi Az-Zakat. Az-Zakat, si ce n'est pas tout le monde qui peut vraiment s'acquitter de la zakat, mais il y a un grand nombre de croyants qui peut le faire. Les zakat, c'est très important de s'acquitter de la zakat, comme on vient de dire, ça fait partie de l'un des 5 piliers de l'islam. Et le minimum imposable, c'est 85 grammes d'or de 24 carats. Et hier, j'ai regardé tout le prix de grammes, c'est à peu près 47, quelque chose, ce qui veut dire que 4 500 $. Quand on a 4 500 $ qu'on a épargné et qu'un an écoule, on doit prélever 2,5%. C'est très important. Donc, parmi les musulmans, ceux qui peuvent s'acquitter de la zakat sont très nombreux. Et somme, on le voit, quand Ramadan, tu vois combien de personnes observent le jeûne. Mais quand tu hajj, j'ai regardé combien de personnes ont accompli Hajj l'année dernière, c'est moins de 2 millions. 2 millions sur les 2 milliards de personnes. 1 sur 1000. Ce qui veut dire que si tu demandes à chaque musulman d'accomplir 2 millions par an, ça veut dire que ça prend 1000 ans avant que vraiment les 2 milliards puissent vraiment s'acquitter des zakat, des Hajj. On s'étonne comment, comme on dit, Ibada Arida, un acte culturel qui n'est pas accessible pour tout le monde soit maintenu, soit désigné comme l'un des 5 piliers de l'islam. Ce qui est très cher, frères et sœurs, Hajj comporte tellement de bienfaits qu'il suffit seulement de l'accomplir une seule fois dans ta vie, une seule fois dans ta vie, pour que vraiment ça change ta vie pour toujours. C'est une renaissance. Et ça, pourquoi? Parce que Hajj nous rappelle quelque chose qui est très important dans la vie de l'être humain. Chaque fois que tu as ça dans l'esprit, tu ne t'égareras jamais. C'est l'au-delà. Et Dieu est très beau, il nous dit Inna alladhina yadilluna an sabilillah lahum adhabun shadid bima nasu yawm al-hisab. Et ceux qui s'égarent du sentier d'Allah auraient un châtiment douloureux. À cause de quoi? Parce qu'ils ont oublié le jour des comptes. Kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Dans surat al-Mudathir, quand il nous parle des gens de Saqqar, pourquoi ils ont été acheminés dans le Saqqar? C'est parce qu'ils ne craignent pas l'au-delà. Bal tu'thiruna al-hayat al-dunya. C'est que les gens préfèrent ici-bas. Donc dès qu'on oublie l'au-delà, on est sujet à tous les gagnants. Toutes sortes de l'égarement. Donc, aussi longtemps que la personne a l'esprit,
L'au-delà, ça l'aidera vraiment à se réformer. Et ça, on le voit. Voyez les mutaffifins, الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس برب العالمين. Souvent, quand l'homme oublie ça, maintenant, il est sujet à l'égarement. C'est pour cela, Hajj, c'est un acte cultuel qui nous rappelle constamment de l'au-delà. Et ce n'est pas étonnant, quand on va à Sourate Al-Hajj, Al-Muqaddima, le début de Sourate Al-Hajj, ne traite pas le Hajj tant qu'il était. Non, il traite quoi de l'au-delà. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum. إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض كتب عليه أنه من تولاه فعنه يذله ويهده إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم منكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للأمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا وترى الأرض حامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك لأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور quand on médite sur le premier verset dont contient sourate Hajj, on comprendra alors quel est le but du Hajj. Vous, les humains, les hommes, craignez votre Seigneur, car le séisme qui accompagnera l'air est terrible. Le jour où vous le verrez, toute nourrice avortera, tout nourrice oubliera ce qu'il allaitait, et toute femelle enceinte avortera ce qu'il portait. Et tu verras les gens, ils ne le sont pas, mais le châtiment d'Allah est terrible, qu'il nous engage. Et il dit, si vous avez des doutes à propos de la résurrection, Dieu nous parle comment il nous a créé de la terre, goutte d'eau, de adhérence parmi nous qui meurent jeunes, d'autres à plus vite de l'âge, si bien qu'ils ne savent rien de ce qu'ils connaissaient avant. Et il donna l'exemple de la terre que nous voyons. On voit sèche, on voit l'hiver, comment ils sont, l'été, quand la pluie vient, comment ils poussent. C'est ainsi. Il dit tout cela, c'est parce que il est amené ainsi, car c'est Allah qui est la vérité. Et c'est lui qui redonne la vie aux morts. Et il est omnipotent. Et que Allah ressuscite ceux qui sont dans les tombes. Donc, sur notre Hajj, quand tu le médites au-dessus, tu verras que Hajj nous rappelle l'au-delà. Dès le début, quand la personne quitte chez soi, en abandonnant toute sa famille, c'est un rihla ilallah. Un rihla ilallah, c'est un voyage vers le Seigneur. C'est exactement comme si on prenait une personne, après sa mort, on la porte vers sa tombe, vers son Seigneur. Et ça, c'est très important. C'est pour cela que quand la personne est prête à faire Hajj, il doit vraiment avoir ça dans l'esprit. Il doit réfléchir et méditer sur la mort. C'est comme s'il quitte pour toujours. Quand on parle de la façon, quand il prend du bain rituel, il met l'ihram qui est très similaire à l'insel. Et aussi les mots qu'il prononce, la baïk, Allahumma la baïk, me voici venu à toi. C'est complet la personne qui vient à Allah, son esprit et son état. Donc c'est un retour vers Allah. C'est un retour. Donc la personne, quand il apprend, il médite sur le sens de Hajj, ça changera sa vie à jamais. À jamais. C'est pour cela que Hajj est un élément essentiel de nous rappeler de l'au-delà. Parce que notre problème, c'est l'oubli. Voilà, ta kounou, kallavina nasullaha, fa ansahum anfusahum, oulaïka humul fasikoun,
Et ça, la périodicité que nous avons parlé, quand il dit Al-Hajj Ashkuru Ma'lumat, Oman Faradafi in Al-Hajj Fala Rafata Wala Fusuka Wala Jidala Fil Hajj, Watazawadu Fayna Khaira Zag Al-Taqwa. Ça, c'est très important. C'est pour cela, le même Abdullah ibn Umar qui nous a rapporté ce hadith, que l'islam est basé sur cinq piliers, nous rapporte aussi Akhadha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi mankibayya faqal. Quand Umar yaqul idha amsayta fala tantazir as-sabah wa idha asbahta fala tantazir al-masa' wa qul li sihhatika li maradik wa li hayatik li marad wa li mawtik. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a pris fal les deux épaules. Il dit soit à ce bas monde comme quelqu'un de passage ou un étranger. Omar, en comprenant ce hadith, il dit, si tu es au matin, n'attends pas le soir. Si tu es au soir, n'attends pas aussi le matin. Et prends de ta santé pour ta maladie, et pour ta vie, pour ta mort, car ça viendra certes. Un autre hadith aussi, qui a été rapporté par le même Abdullah ibn Umar, il dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. Il dit, n'appartient pas à un croyant qu'il a quelque chose à léguer sans avoir son testament bien rédigé auprès de lui. Ça dit, n'appartient pas, il ne doit pas passer de lui sans le faire. Il dit, Mouzou, il dit, Mamarat Aliha Leila, Mouzou en Samit Dalika, Mouzou en Samit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Kala Dalik, illa wa wasiyati maktouba indi. Il dit, je n'ai jamais passé lui, auprès de lui, Lui, quand il a appris, il a compris le hadith, il dit, non. Je n'ai jamais laissé une nuit passer sans avoir mon testament bien rédigé. Et ça va rédiger, il dit, et ça c'est très important. C'est pour cela qu'on voit bien le pèlerin, quand il quitte pour le pèlerinage, il doit vraiment rédiger son testament. C'est vrai, il doit avoir l'esprit comme s'il partait pour ne jamais retourner. Et ça, on dit que c'est une obligation pour la personne qui doit aux autres quelque chose. Quand tu dois aux gens, tu es endetté, c'est une obligation vraiment de rédiger ton testament. Donc, Hajj nous rappelle de l'au-delà. Et ça, c'est très important. Le deuxième élément que Hadj nous rappelle, je dirais bien que c'est la finalité de l'islam. Al-Ukhuwa, la fraternité. La fraternité. Personne n'est parti pèlerinage et revenir sans avoir ça dans l'esprit. Et ça, c'est très important. Je prends ici l'exemple d'un frère, de la personne de Malcolm X, qu'on appelle El Hadj Malik Shabazz, qui était affilié avec Nation of Islam. On sait quelle était leur idéologie, leur principe. Ça lui a pris seulement un seul hajj pour que sa vie change pour toujours. Et il écrivit une lettre. Et cette lettre, si tu le lisais, tu comprendras comment l'impact du hajj sur la vie de la personne. Il dit, jamais dans ma vie, je n'ai vu autant de personnes venant de toutes contrées, de toutes sortes, de toutes races, animé par cette fraternité sincère, des gens je n'ai jamais vu. De couleurs différentes, de nations différentes, nous mangeons dans le même plat, nous buvons dans le même verre, nous nous couchons dans le même endroit, et nous invoquons le seul Dieu, habillé de la même façon. Il dit, je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Non, sa vie a changé complètement. Quand il est venu, c'était une autre personne. Une autre personne. Et ça, beaucoup de témoignages, on le voit dans ce sens. Et ça, tu le vois même dans ton propre pays. Des gens qui viennent du village. Ils ont né au village, grandi au village. Pour eux, l'islam, c'est eux seulement. Quand ils voyagent pour le pèlerinage, ils reviennent. Ils trouvent tout ce qu'ils ont fait, c'est énorme. Je ne sais pas. Ils vont minimiser tout ce qu'ils ont fait. Ils vont trouver cette fraternité. Et ça, c'est très important. Et l'islam est basé sur ça. C'est ça la finalité. Car la miséricorde qu'on cherche, innama al-mu'minun ikhwa, fa aslihu bayn akhwaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Ar-rahma, ça vient de taqwa, et taqwa c'est basé. Donc quand il y a l'unicité d'Allah, il y a certainement l'unicité de l'homme. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakari wa untha, wa ja'alnakum shu'uba wa qaba'ila lita'arafu, inna akramakum inda Allah atqakum. C'est ça. Et il le dit dans sa lettre, il dit l'unicité d'Allah implique impérativement l'unicité de l'homme, que nous tous venons de la même origine, des mêmes pères et mêmes mères. C'est ça Hajj.
C'est un hajj. Ça vient dans toutes les contrées. Ça nous montre vraiment que nous venons de tout. Et dans ce verset coranique de très haut dit, vous les croyants, vous les humains, les hommes tout entiers, pas seulement les croyants, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus afin que vous vous interconnaissiez. C'est ça. Tu appelles telle personne, Mohamed Abouakar, c'est pour faciliter la connaissance. Tes propres enfants, tu as 5 enfants, tu les nommes, des noms différents, c'est pour faciliter notre connaissance. Et c'est pour cela, il y a l'arabe, il y a tel plan, il y a telle chose. Non, c'est pour faciliter. Non, ce n'est pas la division. Non, ce n'est pas la division. Et ça, étonnamment, vous trouverez que Khutbat al-Wida, Fihidat al-Wida, le serment d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le principe sur lequel il a défendu, il a mis l'accent sur la Odyssée, c'est l'égalité. L'égalité. Il dit, Ayuhannas, inna rabbakum wahid, wa abakum wahid, ala la fadala li arabi ala ajami, wa la li ajami ala arabi, wa la li ahmar ala aswad, wa la aswad ala ahmar. Kullukum min adam wa adam min turab. Il dit, dans, quand tu regardes Yom Arafa et tu regardes le Yom Nahar, il y a des discours différents, tout était basé sur cette légalité, que vous êtes les mêmes, vous êtes les mêmes frères, personne n'est supérieur à l'autre. C'est ça l'islam et c'est ça Hajj. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu. Alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salam ala al mabrous rahmatan lil alamin. Nous disons que ce hadith que nous avons commencé, qui est Hajj, que l'islam, c'est comme une construction. Il est soulevé, il est maintenu sur 5 piliers. L'un de ces 5 piliers, Hajj, qui n'est pas fréquent, il n'est pas à la portée de tout le monde, et il n'est obligatoire qu'une seule fois dans la vie d'une personne. Et Rasulullah yaqul a amar ummati ma bayna 60 wa 70. La personne qui a vécu 60 ans, 70 ans, il suffit seulement qu'il accomplisse Hajj une seule fois pour que sa vie soit changée à jamais. Ça, on parle d'une personne qui a accompli le pèlerinage. Et celui qui n'a pas accompli le pèlerinage, quel est l'impact de Hajj sur lui? Et ça, il me vient à l'esprit, c'est un des souverains qui accompagnait les pèlerins. Il les accompagnait pour leur voyage. Il regarda habillé de même façon, cet enthousiasme, il est descendu de sa monture, il s'est mis à prosterner et pleurer. Il dit, je vous mandate de transmettre ce message au prophète sallallahu alayhi wa sallam que je n'ai pas eu le mérite d'être à votre place, d'être auprès de lui. Il a pleuré. Et ça, on le voit que Hajj, le pèlerin dans un quartier ou dans une ville ou dans un village, tout le monde est affecté par ce pèlerin. Tout le monde. Que quand il vient, ce qu'il raconte, et ça, c'est pour tout le monde. Et Hajj aussi, ce n'est pas un élément que la personne peut regarder seulement à la télé pour dire que je les accompagne, non. Dieu a fait que durant Hajj, il y a deux bénédictions. Comme le dit Al-Sha'arawi, « Iza fatatika barakatul makan, fala tafutuka barakatul zaman. » Si la bénédiction du lieu t'échappe, alors la bénédiction du temps ne doit pas t'échapper. Et Dieu a fait que le temps soit béni. Le temps soit béni. Dans un hadith en Abdullah ibn Abbas, رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر قيل ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. Il dit qu'il n'y a pas un moment, une période durant lequel les bonnes œuvres sont plus aimées auprès d'Allah que celles accomplies durant ces 10 jours. Quels sont ces 10 jours? Les 10 premiers jours des Zulhijja, durant lesquels Hajj est accompli. Car Hajj, ça nous prend vraiment 5 jours, je dirais même 3 jours. C'est Yom Thamin, le 8e jour des Zulhijja, vous allez à Mina. Le 9e jour, c'est Arafat. Le 10e, vous êtes à Mina encore. Manta Ajala Fi Yomen, ceux qui veulent vraiment aller vite là, le lendemain, ils s'en vont. Donc 3 jours, 4 jours, Hajj est fini. Et ça prend dans Mirt. Façon 5 jours. Donc, il dit, ça, c'est durant les 10 premiers jours.
de Zulhijja. Il n'y a pas un moment où les bonnes œuvres sont plus aimées auprès d'Allah que celles accomplies durant ces 10 premiers jours de Zulhijja. On dit même al-jihad, il dit même jihad. Sauf une personne qui a risqué sa vie il a pris tout son argent, tout ce qu'il a comme bien, et il a perdu tout, ainsi aussi que sa vie. Cela veut dire que n'importe quelle bonne œuvre accomplie par n'importe quelle personne croyant durant ces 10 premiers jours est meilleure à celui qui va à jihad et perd seulement sa vie. Imaginez-vous, quand quelqu'un demande au Prophète sallallahu alayhi wa sallam l'équivalent de jihad, il dit, est-ce que tu pourras vraiment, si la personne s'en va pour jihad et que tu restes dans la mosquée, à ne jamais dormir, fais que prier et ne jamais manger, fais que jeûner, je ne peux pas, donc tu ne peux pas vraiment mériter ce qu'il a comme bienfait. Il nous dit ici que n'importe quelle œuvre que tu accompliras, durant cette vie, donc ça veut dire que la bénédiction du temps est à la portée de chacun de nous. Que chacun de nous pouvons vraiment en profiter de ce moment. Il y a un hadith du prophète qu'on a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que il y a certaines personnes qui se doivent, il y en a qui hassanam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a l'habitude de jeûner les 9 premiers jours de Zulhijja. Donc c'est bon de jeûner. Pourquoi? La meilleure œuvre, le meilleur acte culturel que Allah aime, c'est As-Sawm. Durant le jour où il aime qu'on accomplit les bonnes actions, donc c'est très important de multiplier le jeûne. Et surtout, n'oublie pas le jour essentiel d'un Hajj, c'est Yom Arafa. Yom Arafa, il n'y a pas un jour durant lequel Allah a franchi plus grand nombre de gens du fait de l'enfer que le jour de Arafa. Et ça, on dira que c'est pour les pèlerins. Non, ce n'est pas seulement pour les pèlerins. Ils sont sur la plaine d'Arafa. Et ce jour-là, Dieu nous a accordé, nous aussi, une autre chance d'en profiter. Et de « Ahdasi wa Allah, an yukafira asara lati qabla wa asara lati ba'da » Yann Siyam, Yom Arafa. Comme a parlé le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, la personne qui gêne le jour d'Arafa, Dieu efface l'année passée, l'année en cours. Des années. Et ça, c'est la compagnie qui, Ashura, c'est une année. Beaucoup, c'est une année. Mais lui, l'année passée, l'année en cours, c'est accordé pour celui qui aura gêné le jour de Arafat. Donc, c'est très important. Il a la portée de tout le monde. Et surtout aussi, Al-Odhiya. Al-Odhiya. Al-Ummi Salamata radiallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Iza dakhala al-ashur, wa arada ahadu wa yudahi, fala yamus min sha'arihi wa jildihi shay'a. Dans ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que si l'un d'entre vous décide d'accomplir, de donner le sacrifice au Odhiya, et que les 10 premiers jours commencent, il ne doit pas toucher ni ses cheveux, ni ses ongles. Ça veut dire que c'est comme si la personne se compare au pèlerin, il rentre lui aussi dans l'état de sacralisation, même si ce n'est pas le pareil, que l'autre ne doit pas toucher le parfait, il n'a pas touché, mais lui aussi, comme il a décidé d'offrir l'offrande, d'offrir Odhiya, on lui demande vraiment de se mettre à une petite sacralisation, de ne pas vraiment toucher à son corps, concernant les ongles, concernant aussi la peau et aussi les cheveux. Donc la personne qui décide de le faire, c'est comme si vraiment, lui aussi, il est en pèlerinage. Ça veut dire que vraiment, Dieu l'Éternel, par sa miséricorde, nous a donné beaucoup, beaucoup d'éléments par lesquels nous pouvons vraiment profiter ces 10 premiers jours de l'Hijja. C'est comme si vraiment on est en pèlerinage. Surtout que n'importe quelle œuvre accomplie durant cette période est meilleure à celui qui est parti à Jihad, sauf s'il perd sa vie et tout ce qu'il avait. Donc c'est très important d'en profiter ceci. Et du Hijja, ça se fait qu'aujourd'hui c'est le 27. Après, donc il y en a, dans certains calendriers c'est 29 ce mois, d'autres c'est 30. Si c'est 29, le 10 du Hijja va être le 23. Si c'est 30, ça va être le 24. Donc ça se fait. Inch'Allah, c'est lundi. Lundi qu'on sera. Dimanche, Inch'Allah. Dimanche, le 29. Soit on voit la lune. Dimanche, en ce temps, c'est le 23. Sinon, c'est lundi, ça va être le 24. Donc vous pouvez rester à l'écoute. Inch'Allah, une fois que c'est précisé, nous pourrons savoir. Nous l'avons entendu tout de suite, mon frère est en train de dire qu'il y a des rénovations de la mosquée. C'est très important. Il y a des travaux. Ça demande d'argent et nous demandons vraiment d'être généreux. Donc, l'autre côté, Inch'Allah, on est en train d'aménager. Et tout cela grâce à Allah et aussi grâce à votre donation. Et ça, c'est grandement apprécié. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alayna ya muwallina wa rahim.
اللهم إنا فيما حديث وعافنا فيما عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا السوء ما قضيت إنك تقضي ولا تقضي عليك اللهم لا يدري ما حديث ولا يدري ما أليت ذلك الخير كله يا رب العالمين اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تحبب به علينا من سوء الدنيا ومتئنا بأسمائنا وأبوابنا بجنتنا ولما أخفيتنا ولا بالبارك منا وإذا ألفارنا لا من ظلم وصلنا لما علمنا ولا تشرك لنا هذا أبدا يا رب ارحم ارحمنا اللهم انا نعوذ بك من السوء المنقلب في الاهل والمال والنفس اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول افئدتك من فجاعة نقمتك ومن جميع سخطك يا رب ارحم ارحم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار قوموا الى الصلاه يرحمكم الله وفرغوا باسكم رواسكم جزاكم الله خيرا.